Bonsoir tout le monde, moi salue nous et moi salue tout le monde qui sous channel YouTube là et qui là soya jodi a k'ap gade nouvelle émission ça épisode 2 de Innovation Zone et côté n'ap gade Laurent Lamotte avec docteur Naomi Blémur et ça fait deuxième émission et que n'ap lagué comme ça. Première émission nous te faire sous crypto, sous Bitcoin. Côté que nous te gagné deux invités qui t'est venu avec nous. Nous avons Nicolas Placine et puis nous avons Jean-Gardy Daudier qui t'a parlé de Citadel Coin, nous songer. Et bien, je vous dis, là, nous venons avec deux gros invités pour nous et nous allons parler d'un sujet que tout le monde a parlé de sujet ça. Et que toi, quand même, même moi, Bonne Gisalier, nous avons parlé de NFT. Songez-toi, let's say, NFT. Qui ça NFT a à qui ça a servi, de qui j'en ai appliqué. Et bien, je vous dis à la, nous avons une réponse pour nous, parce que y a deux invités de marque, ok, deux gros haïtiens, deux gros coquins chaînes haïtiens, que nous invités là, je vous dis à, pour venir parler nous de NFT. Le monde entier a parlé de lui, trois quarts de monde baron monde qui s'allie, et bien, je vous dis à la, venir avec réponse de qui ça NFT, et qui c'est NFT capable d'aider nous-mêmes, artistes, nous-mêmes, qui n'a documentation sécurisée, nous-mêmes qui n'a technologie, nous-mêmes qui c'est des musiciens, ok? Nous avons Alan Kave, qui là, Naomi, je salue vous, et je connais que nous allons entrer dans la saison là, donc nous allons laisser rapide dans la chose, parce que nous sommes très occupés, parce que nous avons Naomi, son coquin chaîne comptable, ok, ici en Floride, donc nous-mêmes qui avons fait taxe, nous, son seul monde pour nous relayer, par un deux, même si l'autre a fâché avec moi, mais c'est docteur Naomi Blémur. Si nous faisons faire taxe dans Miami, dans Floride, même on bonne relais. Naomi, je vous remercie comme co-host et Innovation Zone, je vous remercie. Et puis, qui s'aligne à soi dans le menu? Bon, on a salué tout le monde qui branché. Merci beaucoup. Nous souhaitons que vous êtes vraiment intéressé dans le premier épisode là. Nous souhaitons que vous ayez plus d'informations. Et à soi, on a venu avec le deuxième épisode nous sur NFT. Et qui s'allie, nous avons deux coquins chaînes garçons qui font partie de la communauté haïtienne-américaine qui est vraiment là pour nous toutes les informations que nous avons gagnées et les projets que nous avons gagnés qui peuvent venir. Nous avons commencé avec M. Fritz Charles qui est un Wharton Business School graduate et qui est un product manager à Instagram. Et pour les gens qui ne connaissent pas, il y a beaucoup d'haïtiens-américains qui travaillent dans le Metaverse. Et aussi qui est un cryptocurrency educator. Et nous saluons M. Alain Kave, qui est un music superstar, qui est là dans la communauté haïtienne depuis 30 ans, qui a donné un bon combat. Merci beaucoup, M. Kave. Merci, M. Charles. Donc, Fritz, nous avons besoin quand même d'une petite introduction. Et parler de Wontical parce que très souvent dans la communauté haïtienne, non, que ce soit dans la diaspora ou bien que ce soit en Haïti, eh bien, nous avons tendance à minimiser ça, relie des success stories. Et bien, dans Innovation Zone, c'est le contraire que nous voulons faire. Ça, nous voulons faire, nous voulons bailler au champ pour les gens qui réussissent. Nous avons besoin de voir au champ. C'est pour ça que nous voulons au champ pour Naomi, nous voulons au champ pour aujourd'hui à Fritz. Parce que premièrement, moun ki pa konnen yo, Wharton Business School, c'est une pi gwo l'école au monde. Pour rentrer dans l'école ça seulement, faut gagner une pi gwo cerveau gagner au monde. Pas n'importe qui est sur dans l'école ça. Je dis que sou pa gagner des notes comme si m'ta dou ki bon bagay net ou pa rentrer dans Wharton Business School. Donc pour dire bien pour haïtien, OK, capable rivé dans position ça, ça veut dire son est qui brillant dans ça l'affaire. OK, donc même tenir à féliciter parce que faut le bon faut dire le bon. OK, l'homme travaille ou réussit dans la vie, faut nous voyer au champ pour. N'a voyer au champ pour Fritz, n'a voyer au champ pour Alan Kave Zin. OK, qui là? Mais Fritz, avant que nous entrer dans question, nous mais qu'on ba nous background de ou même Fritz Charles. OK, bah non parcours de comment on arrive parce que journée je dis aussi un top haïtien qui travaille dans Instagram. OK, tout haïtien qui Instagram, il va même connaître que gon gros haïtien qui travaille dans Instagram.
Vous parlez de où, ok? Un présenté okay. Le peuple là, la population. Okay. Qui est-ce qui fait Charles? Merci, merci un peu, Laurent. Merci un peu, Dr. Blumer. Pour tout Haïtien, I have to apologize for my Creole. My Creole is not the best, so I'll mix Creole and English. But même si you're Haïtien américain, mais fait New York. Parlement vient, il sorti au Cap, going vient. You raised me in Queens, New York. My first career was on Wall Street at Lehman Brothers in Barclays Capital. And then I went to Wharton for my MBA. At Wharton, I discovered technology and entrepreneurship. And it was a great experience attending that institution. I immediately started working on international technology. So I worked at a company called Iroko TV, qui était yo compagnie Nigeria. Nous te mette film africain. Nous te African Netflix, le Netflix pat gen film africain. Après, même te là, me te where how difficult it was to do payments in Africa, especially where people didn't have credit cards and people didn't have different devices to pay for our services. And that's kind of where I really wanted to really look at some of the solutions that were around payments. And it was at this time I discovered cryptocurrency and Bitcoin. And so from that, as soon as I discovered Bitcoin, I really thought about Haiti and how, you know, Haiti is a country where, you know, most of the GDP, a lot of the GDP is based on diaspora sending money back home. It goes through platforms like Western Union who take you know, large fees, and how, you know, the everyday person may not have access to bank services. And so that's kind of what encouraged me to learn about Bitcoin and cryptocurrency. And so I left that company. I ended up working at a few other large technology companies. So I worked at the NBA National Basketball Association on the NBA app. And then I worked at IAC, which was the parent company of the dating app Tinder. And then I moved over to Instagram. So I've been at Instagram for some time, and I'm really, really enjoying it. So obviously Instagram is part of Facebook, which just became Meta. And so the company is going to really focus on the metaverse and focus on cryptocurrency, including NFTs. But it's a pleasure to be here. Thank you for having me. Thank you, Fritz. Naomi, qui j'en ouais, aucun Haïtien ça. Bon, not vraiment. I'm just wowed. I'm just wowed by your accomplishment to form your jeune Haïtien américain ici qui a évolué. Vous nous vraiment félicitons pour tout le travail que vous faites. Vous avez un résumé qui est vraiment impressive at your age. Et so, ça fait nous un pile plaisir. Et nous voyons que parents nous quitté en Haïti, quitté venu ici, quitté venu chercher un plus bon vie, qui fait si mon yon ici, nous vraiment prend pile plaisir et nous tendez yon Haïtien comme tout, qui a fait bon travail. Excellent job. You know, it's a pleasure to meet you. Donc, tout petit Haïtien, tout petit jeune qui au Cap, OK? Oui. Qui au Cap Haïtien, qui dans Grand Rivière du Nord, c'est pas au Cap, non, Grand Rivière. Grand Rivière du Nord. Nous t'es allé dans Grand Rivière, nous t'es allé en concert. L'autre bois, mon cher, son superbe zone, mon qui par contre Grand Rivière, allez visiter Grand Rivière. Parce que Grand Rivière, c'est une très belle côté. Donc nous-mêmes qui sommes de Grand Rivière, nous-mêmes qui sommes au Cap, OK, ça montre nous que avec éducation, avec des parents qui goûtent pour vous, et puis avec tout persévérance, eh bien, on est capable, ou même tout, graduer dans Wharton Business School, et puis à travailler avec un top exécutif dans Instagram. Donc, il faut nous pas jamais décourager, il faut nous toujours rêver, dream big and accomplish big. C'est ça lié. Donc, félicitations, Fritz, et puis, Naomi, m'passe ma être là-bas.
Deuxième invité nous pour Asoya, c'est none other than Monsieur Alain Cavé, un music superstar dans la communauté haïtienne qui là, qui a battu nos bons compas depuis plus que 30 ans et avec vous qui est les Zen. Monsieur Cavé, comment y est? And welcome to the Innovation Zone. Thank you. Thank you for inviting me, Laura. Et Fritz, thank you for your input. And Naomi, tu es très belle, tu es trop belle. Hein? Merci, Monsieur Cavé. Bon, pour nous y aller, nous allons entrer d'emblée dans Kisaki NFT. Nous voyons Mike Labac by Monsieur Laurent qui va commencer la conversation. Bon, ma première, tout le monde. Et l'important, dans la parole de technologie, ok, pour nous comprendre, faut nous comprendre qui c'est la technologie, ok, faut nous comprendre qui c'est la cryptocurrency, hein. Nous dit qui c'est la cryptocurrency, et nous parler de Bitcoin, qui c'est Bitcoin, là, et nous parler de blockchain, là, qui c'est lié, c'est comme si son train, hein, de train, son rail, son train, et puis Bitcoin, là, c'est train qui passe sur rail, là, donc c'est comme si son route, et puis blockchain, là, son route. Lorsque vous marchez, vous avez Toyota, vous avez Mazda, vous avez Daihatsu, vous avez même ces mêmes goûts différents et crypto qui passent sous route là. Sous même blockchain. Sous même blockchain. Nous allons vous donner sous blockchain. Là. Et je vous ai parlé de NFT. Pourquoi ça parlé de NFT? Parce que sous NFT, lui-même, premièrement, tout le monde a parlé de ça à travers le monde. OK? Donc, son terme qui est moderne, son terme qui est pratiquement à la mode, mais son terme tout qui personne qui s'allie et qui est capable de bénéficier de. Donc, nous-mêmes, on va laisser aujourd'hui. OK, Baron, si nous avons créé un NFT, Baron, si Fritz est capable de créer un NFT, mais il y a des sites où nous avons aller pour créer des NFT. Et qui est-ce qui principalement capable de bénéficier? Eh bien, n'importe qui est qui gagne une pièce qui t'a original, qui t'a besoin authentifié. OK? Par exemple, nous gagnons artistes peintures, OK? Sculpteurs, OK? Qui besoin yo même, qui besoin que yo authentifié une pièce, OK? Pour yo. Que ce soit une photo, que ce soit une image de photographe, OK? Artistes peintres, artistes sculpteurs, tout le monde sera capable de bénéficier de nouveaux technologies ça qui est l'NFT, nouveaux plateformes ça pour qu'on mette sous des plateformes NFT et puis on va revendre à plusieurs monde donc son business que lié tout NFT et son business cap favoriser non seulement artistes en général, OK, mais tout le monde qui besoin authentifier une pièce. Donc là par exemple pour montrer la définition qui ça NFT a, li signifie NFT, li signifie un jeton non fungible. OK, le map décompose ça veut dire fungible signifie un bagay qu'on pas changer facile, qu'on pas faire de manière identique. OK, fungible, non ça c'est fungible, non fungible NFT. OK, li veut dire un bagay qui pas interchangeable parce qu'il a des propriétés uniques, donc son jeton non fungible. OK, donc c'est comme si Ndado son actif numérique qui est unique, mais il est digital. Il est unique et il vit son blockchain sécurisé et il certifié propriété de objet ça. OK, donc fungible son terme juridique qui dit son bail qui comparable qui ca remplacer ou être remplacé par un autre élément identique qui est interchangeable. Donc, qui ça qu'on NFT? NFT, essentiellement, c'est un élément digital, un art, une pièce d'art, une musique, des jeux vidéo, des cartes pour quoi, que vous avez collectionné, des vidéos, ou même des tweets. Par exemple, si Fritz te font tweet, vous pouvez faire tweet, là, vous pouvez NFT, et puis vous pouvez vendre. Alain Cavé, lui-même, il a décidé, OK, monsieur qui a fait un spécial disque Alain Cavé, les meilleures chansons d'Alain Cavé, et pour faire un NFT avec ça, pour me expliquer de manière plus simple. C'est pour ça, moi-même. Donc, moi-même, c'est
m'ba un expert de NFT, c'est pour ça que nous mande Fritz Charles qui lui-même OK travaille dans Instagram et son éducateur, son évangéliste même dans crypto OK pour venir parler nous de NFT et puis nous pour essayer même créer un NFT là si possible. Sinon nous ka faire le prochain show. Donc Fritz, OK, let's go in more, let's take a deeper dive into the functionalities. What can the NFT, what is the NFT and what can it be used for? You did a great job of introducing it. So NFT is really about taking a digital asset and making it unique. It could be anything, right? So you talked about artists, talk about music, you talk about pictures, it could be film, and also it could be other things, right? So it could be a deed to a house, right? So we all know what happened after the Haiti earthquake. A lot of the deeds and the land titles were lost, right? If you were able to make those into NFTs and they lived in a blockchain, then you would always have something you could trust and know that, hey, this is something that is trustworthy and I could go buy it. If I was to use a real world example, you know, Drapeau Haïtien, right? Our beautiful red and blue flag. There's many all over the world. There's many in Haiti. There's many that are in, you know, Dr. Blema, you're from Brooklyn, and in on Eastern Parkway in Labor Day, there's many flags going around. But what about the flag that was in the palace when Mr. Lamar was PM, right? That is, if you wanted to focus on that one flag, that would be the NFT of that flag, that because that was one of a kind. That was the one that was in his office when he was a PM, versus the flags that were all over Eastern Parkway, all over North Miami Beach, all over everywhere that could be. So that's the that's kind of an example, right? It's like, yes, you could have something that is numerous and out there, but what people want to collect is the unique version of it. And this is the NFT is a digital version of what of that example that I just made, and so we're honored to have, you know, Mr. Alec Keve part of here, and so he can create a version of his album that is going to be a collector's item. And obviously most people are consuming music on digital using Spotify and things of that sort. With the NFT, you know, you could separate that one version of the album versus the one that everybody else has. And so if I could even go to the vinyl ones, the one before the CDs and stuff. Yeah, so you would have to digitize it, but it would be the same thing, right? And so it would be a digital version of that first vinyl. Wow. Let's say it was a vinyl that you signed, right? Mm-hmm. That when somebody wants you to they would always say, hey, listen, I'm the biggest Zen fan. I have the first vinyl that was signed by, you know, Alec Keve, but the NFT is a digital version of that. You could sign it, you could make a digital picture that goes with the music, and you could put it on the blockchain, and that person, that fan, will have the same exact experience as if they got a signature from you in real life. And they could always have that connection to you, they could always brag about that, and they would be willing to pay more for that. And one last thing I would say is, How do you get paid? Yeah, so somebody buys it on a marketplace. So we'll go through an example of how to put a NFT on a marketplace. There's a few. There's one. The biggest one is called OpenSea. But one thing I want to make sure that people understand is, especially the artists in Haiti, this is Sasio by Global. So by on by American. But you're not getting paid. You're not getting paid by dollars. You're getting paid. You're by not crypto. Getting paid dollars. You're getting paid in cryptocurrency. But you don't need to. You could sell to anybody, right? So you know you have fans in Benin, Senegal, Congo, right? Martinique. Anybody can purchase it, but also somebody that's in Jacmel that makes a beautiful picture, they can sell to somebody in, you know, in California. There's no limit to this. Okay. This
this technology allows you to reach the world. And I think that's what is going to be most exciting for the Haitian artists. So OpenSea is where, you know, basically you can, the platform you can use to create an NFT, right? Yeah, yeah. Okay. So should I go through the process now, or sure. Do a little bit? Sure. All right. Now I wanted to ask, so if someone can just copy the NFT, then what's the value? So just the value is this will be marked as the elite version, right? This is the version that Alain Cave says is the one that is the original, right? It's okay. Similar to what I remember the example I gave you. It's like I can have an Haitian flag. I can buy it online. I could get it at any Haitian store. I could get it in Haiti. But if Laurent gives me the Haitian flag that was in his office when he was in the palace, when he was a PM, that's just different. That is just different, right? So it's really about the stamp, right? It's almost like Picasso when he made the one that he signed versus the copies. And so using the blockchain, you can take a digital asset or a digital piece of art, stamp it, put it on the blockchain, and everybody will know that that is the collector's item. That's the one of one. And one of the important things also on the NFT is certainly the certificate of authenticity. So if you buy a jewelry or a watch, something of the sort, you know, basically you put it as an NFT, then basically you have the original, the certificate of authentication, certificate of authenticity. Okay. That's probably one of the biggest use also for the NFT going forward is, you know, once you put that on the blockchain, you know, it's very difficult for someone else to come and say, okay, that this is not authentic or what have you. So there's so that aspect of it, you know, to certify an asset is going to have a huge industry in front of it. But also, can you talk about I don't know if we can put on the screen, go to OpenSea and then put it on the screen and then walk us through it. Sure. Nous allons essayer mettre OpenSea en sous écran et puis qu'on y a là, et puis Fritz qui a montré nous, ok, en détail, qu'on y a comment que nous-mêmes qui avons gardé là, comment on a créé un NFT, tout le monde a appelé NFT, ok, comment on a créé un NFT. So here, so we have a picture of our beautiful monument, one of the wonders of the world, right? The Citadel in Haiti, right? And so obviously this is a picture I got online, but I want to make my own version of it. So I went and got an animator to make an animated version of the Citadel. And so I'm going to make an NFT of this animated version of the Citadel. So what I'll do is I have my file there. I made it my own. So I go to OpenSea.io, I'm sorry. And then right on the first page, it tells me create. So I create, I go right here. This is create new item. And so it says it could be a JPEG, PNG. So these are pictures. It could be a movie. It could be an MP3. It could be any creative thing. So I just click into that window. Donc tout le monde qui a là, on a dans OpenSea.io. Et puis nous-mêmes qui sommes artistes, musiciens, nous besoin, nous faisons premier album, nous faisons groupe musique, nous faisons les meilleures chansons. Et mais nous qui mettre le mais Fritz a montré nous là comment on a créé un NFT live sur Innovation Zone là. So I'm gonna call my NFTs First Black Republic. So n'après un NFT là, les Première République Noire. I can update it later, but I'll just quickly animated. So Alan, et puis gros paquet de commun qui a fait dans ça. So même si a fait là, son là qui a vendu pour n'importe plusieurs milliers de dollars, millions de dollars même. Oh yeah. Oh. Yeah, et puis
Because I was about to ask what makes it better than using Spotify, for example. Well, you know, too. You know, bagay ki très important, li di kon sa ke lò kreye NFT a, it is a collectibles item. So sa ve di kon sa collectible items. Yes, sa ve di kon sa ke nan sosyete a nou konnen ke lè yon bagay yon collectibles item li ra. Se sa wap pe for ke li ra, se pa tout moun ki pral gen ni, e kom la motte di, you're going to have a certificate of authenticity ke e so achete a so gen nan moun nan se sali. Bon, ke nou perdi justement nan milieu musical la kounye. Yeah, so right now, this is becoming going on the blockchain right now. So one thing about the blockchain, sometimes it takes time for it to process. But once this finishes, this NFT was created and anybody could go and purchase it on OpenSea. Donc vous avez son bar qui pas compliqué. Par exemple, ou aller ou prendre photo, ou mettre photo, ou mettre sur blockchain. Non, par exemple, si Alan Cavill lui-même, ok, monsieur, une photo, par exemple, une photo unique, ok, côté par exemple premier bal ou Alan, ou bien premier album côté fait. OK premier fois ou bien on photo album côté faire une première fois qui pour ko dehors OK pour prendre la gueule sous bala là et puis après ça fanatique là n'ka veyo kounya la gen doit acheter un NFT et puis kounya la vente ça mon yo fait mon yo achète une équipe de screen et puis mettre la caillou dans un tableau mais son tableau digital ouais c'est pas tableau ouais son screen un flat screen. Il mette flat screen dans la télévision, mais une télévision qui fait, et puis il met de la caillou, et puis il y a un NFT yo sou yo. Oh, par exemple, il y a une belle photo, par exemple, si nous avons une photo à Alan Cave là, où est toute la mélodie de monsieur, la guitare, et ça, puis clap pour une photo, monsieur, et puis photo ça vient tout nos NFT. Et pour gagner. Et that belle, c'est qu'à moyen, et puis musique à jouer. All right, so now we have it. So, bon, it's here. It's in the blockchain. First Black Republic, the Citadel, and that's it. So I don't have any offers yet. Nobody tried to buy it yet. But no, mais attendez, Fritz, on explique ça bien. Donc, comment est là sur blockchain? Qu'on y a là, n'importe qui est cap qui sur blockchain à travers le monde a pris photo ça. Et puis qu'on y a là, pour y gagner, il faut acheter photo à qu'on y a. Et puis, il fait des bids. Oui. So, si qu'on y a un fanatique à l'Ankave qui Côte d'Ivoire, fanatique à l'Ankave qui en Haïti, fanatique à l'Ankave qui comme Simdadou, Chicago, ou un fanatique à l'Ankave qui au Cap, qui besoin acheter photo à, et bien, il y a même dit, OK, besoin payer tant pour photo à, besoin payer tant. Et puis, qu'on y a là, et bien entendu, OpenSea a bon commission. Et puis, qu'on y a là, Alan Cave lui-même, la bon compte tout dans Meta. Et puis, la bral jouen, si tu as qu'à briver sur tout, pour mon gars, c'est ça que tu dis. Ti comme cola, yeah. Donc, moi, j'ai une question pour Monsieur Charles. Monsieur Charles, how long is the bid going on for? Ça veut dire ça que est-ce que tu as dit ça que moi je voulais pour le vendre dans 2 heures de temps, moi je voulais pour le vendre dans 3 heures de temps, et dans 3 heures de temps, je retourne back sur Sydney et puis moi ouais que ok, bon monde qui m'a dit $3,000 et puis me dit ok c'est ça m'a vendu à $3,000. Est-ce que c'est comme ça fait? Oui. So I set the length. So I could usually people make it for a week or a month. It depends. It's similar to on OpenSea. You know, back on Simon, you can eBay. Tonku eBay. You can set it for a week, a month, a day. So you're right. I make the decision how long I want the auction to happen. But then the auction, you know, this is like a digital version of an art auction at Sotheby's or something like that. Donc son auction, il vient de d'avoir auction. Lo a vendu, ou mettel pour 2 semaines et puis dans 2 semaines là tout monde a dit ça il veut payer pour lui et puis moun ka acheter là qu'on a la site web la créer open.io nous même capter là, yo pral prendre un petit pourcentage sur lui.
OK? Mais qu'on y a paiement, expliquer question paiement. OK? Et puis comment pour par exemple, on est quoi à l'encave? OK? Comment la recevoir paiement? Parce que moi-même, quand elle a recevoir son wallet. OK? Oui. So, yeah. Naomi, here's how I can list it. I could say I want it to be a time auction, mm-hmm. sell to the highest bidder. I can mm-hmm. make it 7 days. I can make it. Ouais, mais alors faut dire parce que on est from by traduction. Oui, okay, oui, donc oui. Là, tu as montré, OK, qui j'ai que le fait. Il y a un prix fixe. Donc, photo citadel, ça a dit, OK, photo citadel, ça a vendu pour 1000 $. Donc, on givin qui a payé 1000 $. OK? Ou bien, li fait moun, on vend aux enchères. Ça veut dire, vend aux enchères là. OK? Moi-même, m'a dit, m'a mis $500, on l'autre qui dit, la mis 520, on l'autre qui dit, la mis 560, etc. Jusqu'à ce que l'arrivé à montant que vendeur a vle. Donc, là, considérez que nous sommes artistes, nous avons pièce. OK? Considérez que nous sommes musiciens. OK? Nous avons un album, un photo-album, un disque. OK? Que nous besoin que nous besoin vendre et puis m'a dit un bagage artiste américain yo nous ca montrer là peut-être nous ca mandé régie ta là on ça mettez deux trois exemples de NFT c'est là qui vend pour des millions de dollars c'est pas perdre n'a perdre dans là non parce que on pas mon gars dit ah mon cher là on va pas brancher là bagage on a parlé de ça NFT a moi Rolling Stone a sorti un album sur NFT ou NFT yeah. C'est ça, m'a dit. Donc, soit Rolling Stone a sorti l'album, c'est que Rolling Stone, il va pas le perdre du temps. Il va pas le faire comme si il va perdre du temps. Donc, c'est pour ça, m'a dit. Même à l'encave, après, couche ça a fini là, m'a dit que le prochain choix, ou même on vient avec affaire ou prépare un bagage, et puis après ça, ou c'est premier artiste haïtien qui a fait un NFT. Yeah, superbe. Ouais. Espère, monsieur, vous avez payé des mois. Mary. We're gonna make it happen. Great. Et monsieur Fritz kounya là, le monde on dit comme ça que bon on monde qui bid et puis ou te vle vendre à 1500 bon jeune bid pour 2500. Kounya là, est-ce que bon possible pour accepter bid monde après ça pour toucher? No, so if there's a high bid but there's still time left in the auction has to finish. So let's say I do a 3-day auction, I start today, and somebody gives me a high bid I'm happy with. But it's you know, it's supposed to finish on Saturday. It has to finish on Saturday. So you lose the ownership of it, though, when you sell it like that? You lose the ownership. The other person owns it now. So yeah. they bought a few, just like any, you know, if I make a painting and it goes on the auction and they get it from me. Now, here's one thing though. So for the million from Bali. No, so actually, exactly. So you could actually get royalties. So what you could do is you could say, hey, I want 10% royalty. So every time people resell it, you still get paid, even though you didn't own it anymore. You still get paid. You so that get paid on it. Oh, yeah. Okay. So you can get paid forever, even if I buy your album that you put as an NFT, and the next person, then I sell it to the next person, and the next person, you'll still get paid 10% every time it gets traded. So that's something you could do as well. So, Mr. Charles, so when we're talking about the Haitian music community, you connect to. C'est unfortunately yo poko vraiment bon système côté pour yo have their intellectual property rights, right? How can they use NFT in order to capitalize on their creativity and the music that they use? This is a perfect use case. So as soon as they create something that they want to make sure that everybody knows they own, if they were to put it on the blockchain, even if it doesn't sell, if anybody was to ever try to do something where they copy it or they try to plagiarize it, they could always, the blockchain is going to show that they were the creator and when they created it. Nobody could block it. And so this is the beauty of this is that you don't need the Haitian intellectual property or the patent office to be open or to be
in, you know, to be advanced and kind of help support you. Your blockchain could be the judge and jury for you, even if you're not looking to sell. It's just that it's that stamp of authenticity. And what if you didn't have the time to do it yourself and then someone else did it? So that is a problem. How do you fight that? On OpenSea, you could fight them. OpenSea, you could give a claim saying that that person did something wrong. But other than that, it's tough because this is supposed to be decentralized, meaning that there's no judge, there's no FBI for the blockchain. It's just a technology. So you bring a good question. I think all artists should put all their music on a blockchain just to protect themselves, even if they don't want to sell. That's exactly what I'm thinking right now. They should all. I gotta do this real quick. Yeah, they do it. Just do it just to get that stamp, even if you don't want to sell on the blockchain, but just to make sure that people know that this is you and this is what you created. I mean, the beautiful thing with your music, first off, obviously you're a superstar, but you have visuals. People know your voice. People know your video. So I don't think you have any, I don't think there's anybody tomorrow that can say that they're Alan Cave. Like there's YouTube, there's pictures, well, like the white could lie. I know what you're saying, but I've encountered this already where people took the rights of my albums and I had to fight with them. So est-ce qu'il y a quelques exemples de NFT que nous capable mettre on the screen, OK? Et puis pour montrer quand même pour ba mon exemple de ça n'a parlé là parce que moun ki gran rivière du Nord là k'ap gade petit gran rivière k'ap parler là, OK, mouno k'ap gade, mouno k'ap gade, OK, yo ta rien men konnen, OK, ki ça ba nou exemple de NFT qui vend ba konnen et régis sou te k'ap mete deux trois sou écran Fritz ou ka expliquer Bored Ape lan ki sa li de Bored Ape. Yeah, so the Bored Ape is just you know, artists that created a collection of art that is just apes in different outfits, and they all are different. They're almost like a cartoon, if you will, that they created, and because there's, you know, people love the artists and they follow the artists. And these were limited collections. People bought them. And then famous people started buying them, people like Eminem and Snoop Dogg. And then it became, because they had it, people wanted it. Par exemple, photo ça n'am gare là, ça a fait dit là, c'est que c'est un artiste qui commence à faire, ok, il prend de toi macaque, et puis macaque qui diffère de manière différente, il y a un manger pizza, il y a un qui différent, il y a un différent. Couleur et rose, vert, et puis bah ça vin prend, et puis qu'on est là, tout le monde commence à acheter photo ça là. Et si vous regardez bien dans le coin photo, elle marque et NFT ça, c'est propriété d'Ebdao. Ok? L'un descend, nous voyons que comment 4 débutants NFT créent un business d'un milliard de dollars. Ok? Wow! Donc, combien de copies vous payez pour photo ça? Snoop Dogg doit racheter photo. Combien de copies vous payez pour ça? Mais on Twitter, on photo de cap de tennis. Bon, il n'y a pas de tennis, mon cher Damien. Il photo, mais il cherche photo de tennis. Professeur. Regardez, nous avons un café. Ouais, si photo, Magak Sayo, vous payez 24 millions de dollars pour vous. 24 millions de dollars, wow. Ok? LeBron. Ouais, LeBron font donc là, on a acheté NFT ça pour 210 000 dollars photo ça. Donc LeBron lui même dans comme ça, on croit que il est du 2% dans OpenSea et pour l'autre, qui ça gaz fissure là, gaz fissure comme il y a à peu près. Donc ouais là mais ça ouais NFT ça donc on a qui prend photo ça et puis il crée un NFT avec. OK, et puis il met NFT à sous OpenSea.io, li monte li, et puis kounya la, ouais, photo ça même, j'ai regardé. Yo font auction avec NFT Coca-Cola yo.
Et puis, il y a un monde qui achète pour $75,000 américains en grand petit photo, ça, ouais, là. Ça veut dire que vous n'avez pas d'artistes en Haïti, ou bien de petits ou de grands artistes en Haïti, ok? Qui capable de même garder exemple ça, yo. Et puis, c'est des exemples tout comment que vous capable rentabiliser. Parce que il y a trois artistes qui ont un problème, il y a trois artistes qui ont un grand goût, qui ont difficulté. Mes amis, il faut nous réfléchir de comment nous capable de sortir un problème. Nous avons cherché à sortir un problème, c'est mes technologies là. Technologie non mais nous là ça fait t'as expliqué nous là ça a l'air de parler nous là c'est un moyen pour nous sortir d'un problème dans misère. Ok, mais exemple toujours ça a son tweet que Elon Musk fait, ok, que beaucoup vend, monsieur dit que monsieur fait tweet li, ok, monsieur fait tweet li et puis monsieur fait NFT avec tout là, mais rien de toi tweet fait tout. Je vais faire un NFT avec tout le monde. Je vais laguer sur le blockchain. Je vais travailler sur ça. Il y a deux ou trois tweets qui sont très fameux. Et c'est très important. So I can actually take every pictures. Like my mom is a painter. I can actually take all of her paintings, make them NFTs, and take my father's books and stuff like that. Absolutely. Et c'est ça qui n'a pas expliqué. C'est so easy que ou qu'a même pensé c'est pas vérité. C'est vrai que nous vivons un monde qu'on y a que toute bagaille qu'a vendre. Et qu'on y a là, et bagaille là, si tellement facile pour vendre, c'est ou même qui dit combien quoi vous voulez, et puis maintenant, depuis maintenant, ou elle li ouais que li vaut comme ça, ou li bid sous li, et puis, bon bagage psychologique psychological capacité tout parce que si c'est bid mon n'a bid en mesi mon n'a bid souli et puis l'autre mon a commencé dit ah avant la bid temps ça bon bid tout. So the reality of it is that prix bagage la ka montré astronomically for no reason ça va pour $24 million. You know what the tattoo pour qui ça. But you have to understand too, na technologie there's no concernant nous dit there's no rhyme or reason. C'est juste pour satisfaction mon nom Welly et puis mon nom dit comme ça que bon on va l'acheter et puis vient une compétition là en bidders et qui fait à la fin et puis bagaille là ça montre très haut. Monsieur la bagaille là que M&M sont acheté un NFT là pour $42,000. Ça veut dire que mes amis nous même qui là qui regarder bayo, OK, opportunité assez là li. Bon, et nous pas gagne en pile temps crété nous là parce que Frankie dit nous là que nous pas gagne temps crété nous encore, pas connait si n'a ba le mot de la fin parce que Frankie connait Frankie son producteur qui a géré ba yo. Bon, mon qui pas connait Frankie, mais Frankie, OK, Frankie Jean, OK, nous avons un bel studio là dans Miami, si nous besoin filmer, OK, faire film bagage ceci cela commercial au moins. Mais nèg pour aller à la DSM, monsieur qui produit ça là. OK, bon, faut me faire réclame pour lui, celle-là va vous commission maman. So would the NFT give me like make me have a deeper connection to my fans? Absolutely. Absolutely. I mean, right now your fans, they listen to you on Spotify and it's great, but nobody knows that they listen to you on Spotify. You don't know them. You don't they listen to your music, they dance to it, but you don't know how much you touch their lives. When they buy your NFT, they're going to show it to everybody. They're going to display it. It's almost like it's going to be on their digital wall. They probably will put it, and they'll let people know, like, hey, I'm the person that bought Alan Kavir's first album or first NFT album. And so, you know, it depends. You know, also you could do other things. I've seen people, you could sell an NFT of your album, but also you could allow them to have VIP to your next concert because they hold your NFT, right? And so it's a lot of it. You can decide how much access the people will have, but I think it's going to make that person an evangelist for you, because they're going to be so proud that they have a limited edition of your work, versus now on Spotify they click a button, you know. It's whatever, you know, you'll get, I think you get paid for it, but it's not unique. More valued. Mm-hmm. Yeah. So it's a new income for you as well as an artist.
Wendebar qui pas existé avant. Imagine son go, c'est Alan Gave, mon fanatique là que le baron est. Monsieur fait album et puis monsieur met un million de dollars sur sous photo album là. Alan nous lever à terre là. Et là comme pour l'angoisse voilà. C'est pas comme pour du tout. En tout cas, et baron est le mot de la fin et Alan Fritz you know we've reached the end of the second edition of the innovation zone. I think we should for sure people are going to ask us to do it again and to have Alan Cave actually create an NFT. So maybe we could do that in another show, maybe the third episode. We're going to work on it. And then we can bring other artists if there is interest, because we have to talk about the metaverse, we have to talk about blockchain, we have a lot to talk about. Yeah, I have a lot to learn from you guys. Okay, so ma pou remercie nou parce que de wè premier et m'te vraiment impressionné. Laurent, ou m'te relo pour m'te complimenter sous émission. Donc, I'm going to be a fan of Innovation Zone. Good stuff. Yeah. Good stuff. Thank you so much, guys. Well, thank you. Thank you for having me as a guest as well. It's a pleasure and honor. And this is what you're doing for the Haitian community is very, very important. Well, you know, I mean, it's important to give back. It's certainly important to give back and to make people understand that technology can change their lives. It changed mine. It changed, you know, it's changing millions of lives every day. And it's important to share. It's important, you know, for people, especially in a society that, you know, that's very negative and where you have a lot of negative news, to bring some light and to bring some positivity to it all. And bring some encouragement and to show that there is a, when there is a will, there is a way. And if you want to get out, you can, and nothing should stop you. And I think that, you know, Naomi is a good example of that. She came to the stage, she succeeded, she has a practice. Fritz, the same thing. Alan Cave, the same thing. Alan Cave is a huge superstar. And you know, so I want to, you know. We've been going with Mbappé for a while. What's going on? M'bat pran crypto au sérieux, m'bat pran Coinbase by some, parce que nous sommes novices, nous sommes artistes, m'bat vraiment, m'bat non n'est vraiment dans la finance, donc m'bat vraiment intéressé dans by ça. Et c'est qu'on m'a pas apprendre que si, you know, si m'te pran by ça au sérieux, qu'on m'a déca très loin. Donc m'bat, m'connais que NFT m'bat capable au sérieux. Bon, Kounia là, c'est même qui, ou c'est premier artiste là, c'est un NFT là, parce que Kounia, ou dans la télévision là, le monde entier peut aller voir là. Si c'est pas premier, regardez, après chose ça, plutôt elle fait album là, puis d'après premier, parce que premier n'est qui vous sortez NFT là, c'est vous même Alan Cave. Non, ma partie demain, ma prends avion pour me rencontrer à Fritz. Ah bon, voilà. En tout cas, Naomi, thank you. Simba, je ne puisse pas venir de l'eau. Pas un problème. Thank you, everyone, for tuning in. Merci, Monsieur Alan Cave. Merci, Fritz Charles, with your wealth of knowledge and your information. Nous vraiment apprécions. Nous devons dire merci que nous avons gagné un Haïtien américain parmi nous qui a évolué, qui a information, qui a porté le bas nous. Et exactement qui t'a montré nous step by step qui ça que nous qu'a fait pour nous qu'a gagné un NFT. Merci beaucoup monsieur Lamotte. Nous pensons que Innovation Zone c'est là que lié. Pas vrai, chaque saison dans la vie toujours bon bagage qui vini pour inspirer, qui vini pour empower, qui vini pour propel une société puis devant. Et me penser que dans saison ça nous qu'a vraiment dit ça nous parle côté pour nous dans Innovation Zone l'a aidé nous immédiatement. Pas vrai, n'a cherché des informations côté que sous point décision ou qu'a joindre une différence dans la vie demain. Et you know là c'est juste côté information bah où sans faire avec information c'est vous-même. Et nous dit monsieur Cave merci que
li di sa, li di kon sa ke le li te tan de te kuto, li pat ke tan pou li avanse pran la dani e pi kou ni a vreman we blad li pase. So na pa sure ke sa pa pase nou nan kominote a, nou jwen informasyon a lèr pou nou ka pran desisyon mètnan e pi pou nou ka eritye de desisyon sa yo. Thank you so very much. And all of you are invited to come back. OK, parce que c'est un grand famille technologique que nous avons monté. Et bien entendu, nous avons des gens qui success stories. Et puis, pour que nous montrer le monde entier que nous-mêmes haïtiens, OK, ce n'est pas mauvais bar seulement. Que pays a gagné bon bagarre là dans le tout. Pays a gagné des Fritz Charles, des Naomi Blémur, des Alan Cave, des Nicolas Placide, des Jean-Gardi Dodier, des Frankie Jean. OK, il y a bon bagarre là-dedans, mes amis. Ouais. Donc c'est ça pour nous mettre en avant. Important. Parce que c'est mauvaise nouvelle seulement qu'a sorti dans le pays là. Il faut ça changer. Bon, pour 2022, nous quittons mauvaise nouvelle derrière, n'a pas avancé pour the best and the brightest among us. There's grand pile knowledge, grand pile information. Et vraiment, le peuple haïtien est un peuple qui est dynamique, qui est spécial, et nous avons beaucoup à offrir. Nous avons commencé à mettre en nous, et puis pour nous élargir, pour nous continuer à porter impact dans la communauté, dans la ville côté de vivre, et ultimately, in the global, the global economy. We can do it. Et bien amis, si vous aimez, à subscribe et puis cliquez like, ça est très important pour le monter dans l'algorithme pour plus pour nous capable garder choix, pour plus pour nous capable connaître de NFT, de cryptocurrency, de Bitcoin. Nous avons mon show tout sous startup, ok, mon qui veut commencer des startup, ok, nous avons des exemples de monde qui crée startup, qui fait WhatsApp banking par exemple, ça c'est une nouvelle méthode de banking digital. Nous allons parler de ça. En tout cas, merci un peu tout le monde. Et puis, à la prochaine. Thank you so much, guys.